t'ai eu. Oh oh. Ah, ça, ça calme. Je sais pas ce que je dois faire. Oh oh. Ouais, on leur dira. On leur dira. Aïe. Wouhouhou, un peu de médigel, ça fait pas de mal. Ah, et toi au fait. Un peu plus et je t'avais oublié. Mon équipe faut largement la vôtre. Ouais. Ouais. Aïe. Ouais, d'ailleurs il y en a un qui est en train de se qui est en train de se transformer en descente de lit. Ça te va ça? Allez! J'arrive, commandant! Voilà, voilà! Tu fais quoi là? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sortez de la nébuleuse et passez en SLM! On ne peut pas. Une navette nous bloque la route. Ah oui. Alors sautez là. Effectivement. En restant à 30 degrés, on bloque le calcul de trajectoire. Ça fait de nous des cibles parfaites. Non, ça fait de nous un appât. Je pilote. Non. Vous disputez pas les mecs là-haut. Merde! Lancez la navette sur ce truc pour dégager la voie! Bon, faut la défoncer. Faut la défoncer et fis ça! Et la Black là, elle est toujours là ou Aïe. Je peux gagner cette guerre. Ouais. Viens ici. La vieillarde fatiguée vous met à l'amende. Oh. Oh, ça te met les nerfs. Hein. Vas-y, viens la relever qu'on rigole. Allez, bouffe-toi ça. La base des récolteurs, Palaven, Tuchanka, Ranok et Tessia. Je les ai reçus en protégeant la galaxie. Et les vôtres, elles viennent d'où? Oh oh. Wouhou. Oh oh. Aïe. Une dernière dose de médigel. Je rêve où le Yara vienne la complimenter.
Mais non, mais n'importe... Non, mais... Tu pouvais pas lui tirer dessus, non? Aïe! Aïe! Ah, dommage. Oui, bah bien sûr, oui. Regardez-vous! Qu'est-ce que vous avez de spécial? Pourquoi vous et pas moi? Je sais pas! Voilà ce que j'ai. Voilà ce que tu n'as pas. Merci. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Allez. Donnez-moi la main. Et ensuite? Ensuite, vous vivrez. Et ensuite, je t'en colle une dans la tête. Pourquoi? Oh, ça fait pas du bien, ça. C'est pris un building dans la gueule. Wouhou. Heureusement, ils ne sont pas restés assez longtemps pour faire trop de dégâts. Mais j'aurais sûrement besoin de l'aide de James pour nettoyer le... Il y a un drone derrière, je veux pas dire, mais... Ils nous ont aussi surchargé la dissipation thermique en nous mitraillant. Il faut remercier Monsieur Navette ici présent, qui a fait quelques belles manœuvres pour nous garder en vie. C'est cool de pouvoir piloter quelque chose de plus maniable que le Kodiak. Et Idea, elle est reconnectée? Je contrôle à nouveau totalement le Normandie. Nickel. Oh, ça te met les nerfs. Oh, c'est dommage. Et les mercenaires? Y a des survivants? Ouais. Elle et un pilote à deux balles. L'Alliance la transfère dans une prison de haute sécurité. Elle pourra peut-être balancer des infos sur Cerberus. Je serais ravie de coopérer avec les autorités. Maya. Je connais cette voix. Ah oui? Vraiment? Vous avez une chance de vous racheter. Ne la gâchez pas. Quel sérieux. Avouez-le, vous aimez bien m'avoir dans le coin pour admirer votre légende. On a eu de bons moments. Peut-être qu'on en aura plus un jour. Non, parce que vous allez rester en cellule pour un bon bout de temps. Vous craignez que je m'échappe pour me venger? Le grand commandant Shepard a peur pour sa vie? Non. Shepard, j'ai peur pour la vôtre. Ouais, merci. Merci. C'est gentil. Bon, eh bien, direction la prison. Elle ne m'aurait pas laissé en vie, elle. On ne peut pas tout cloner. Allez, dégage de là. Bosh tête. Tout à fait d'accord. Le reste de l'équipe attend dehors, commandant. Normandie sera comme neuf en un rien de temps. Salut! Oh, cette musique. Bonne nouvelle, merci. J'ai quand même connu plus relaxant comme permission. Allez, on va peut-être pouvoir profiter d'un vrai congé. Pas d'explosion, juste nous. Juste nous. Oh, cette musique, waouh. Alors, que fait-on après une journée passée à combattre un clone maléfique? On boit une bière. La sieste? Pitié, on fait la fête. Ouais. Bon, je dois vous laisser. J'ai affaire avant de repartir à Tuchanka. Quand on est le patron, faut être partout, hein? Prévenez-moi si vous voulez sortir, ou si vous voulez faire cette fête. À plus.
Une fête, c'est ça? Pas de pression. Personne ne vous oblige à faire la fête. Carrément qu'on fait la fête. D'accord. Bonne idée. Préparons ça. J'ai fait verser quelques liquidités sur votre compte pour l'achat des fournitures en vue de la soirée, commandant. Bien fait. D'accord. Idea, Cortés et Trainor sont OK. Hein? J'ai également informé le docteur Tsoni de l'éventualité de festivités à venir. Merci. Une minute. Je vais m'occuper de la liste d'invités. Tout l'équipage. Il n'y a pas de bouton annuler invitation. D'accord. Mais à partir de maintenant, c'est moi qui m'occupe des invitations. C'est mal barré. Cortés vient d'inviter James. Bien. Je vais aller voir ce que je peux trafiquer dans le coin, sans me briser un fémur. Certains membres d'équipage ont demandé à vous voir en privé, commandant. Vous pouvez lire vos messages sur votre terminal. Si vous voulez vous divertir, l'avenue Stella Argent propose une salle de jeu en plus du casino. Oh, cool. On vous a également offert une inscription gratuite au simulateur de combat. Oh, son deck. Merci, Glyph. Je crois qu'une petite permission me ferait du bien. Ça pète tout ça. Message, ouais. Alors, ce qu'on va faire tout d'abord. Voilà, nouvelle sauvegarde. Alors, les messages d'abord. À l'étage, je suppose, dans la chambre pour le terminal privé. Je suppose. Pilou pilou, ça c'était là, non? Alors ça c'est le casier, ça c'est pour les mods. Ça c'est toujours le jacuzzi. Vous allez pas me faire croire qu'il va pas servir. Sans deck. Ouais, c'est où le terminal des messages? Non. Ah, et s'il vous plaît, vous allez mettre un peu de musique aussi. Musique. Merci. Ouais. Message privé. Où qui sont? Non. Ah bah c'est... Non. Ah non. Glyph. Commandant, vous devez acheter des articles. Oui, non, ça je sais, c'est pas ce que je demande. Peut-être là-bas. J'ai déjà pris soin d'approvisionner votre compte à cette époque. Ça c'est la télé, on s'en fout. Bon, bah tant pis. Bon, il est bien l'appart, mais il y a pas de boîte mail, hein. Bon, là, il y a toujours rien. Ça, c'est toujours classe. Rosenkopf. Il y a une armure Rosenkopf, non? Le nom me dit quelque chose. Je regarderai ça. Alors ça c'est pour voilà l'appart. Oh je veux. Oh je veux. Nous sommes là pour combler vos besoins domestiques. Mur décoratif ombré, étagé d'art. Oh oui, artistique en effet. Table basse claire. Ottoman élégante. Ouais. Oh. Ah, je préfère la rouge. Literie. Eh ben vous savez quoi? Oh, on va tout acheter. Parce que j'ai du pognon, donc autant s'en servir. Poupilou pilou. Ensuite, on verra comment on s'organise à l'intérieur. Je vais vous faire un déco, moi, vous allez voir.
Merci. Ça, c'est fait. Oula. Pilou, pilou. Oh, il y a du monde. High scores. Aria. Barlavon, Bray. Bailey. Ouais, après je crois que les autres on connaît pas. Donc ça, ça serait la fameuse arène. Ah non, je pensais qu'il y aurait pas. Bon, bon, tant pis. Arena, on ira voir ça plus tard. Je veux d'abord aller faire les courses. Ok. Alors voilà, j'ai été à couvert derrière une table au milieu de ce monastère à Sarine. Une engeance sur ma droite, impossible de bouger. Bienvenue au casino de la Ah, casino. Je m'en fous du casino. On est où ici? Après vous, soyez sage. Je sais pas ce que je cherche. Fury. Pas de problème. Vous risquez votre vie au front. Alors le moins que je puisse faire, c'est de gérer vos commandes d'équipement. The fuck? Voyons voir. Alors, Eretzi, Suzanne, spécialiste biotique N7. Oh, excellent. Pupilou, pupilou. Ta-da-ta-ta-da. Ça va? T'es pressé d'être pour moi? Bien sûr que j'ai pas oublié. Un plan? Je pensais que tu pourrais me retrouver sur le menu et qu'on réviserait. On fera tout ce que tu veux, promis. Tu veux aller où? Oula, apparemment il va aller quelque part ou... Ça a l'air assez saugrenu comme truc. On peut plus aller au resto chinois? Enfin, au resto, au bar à sushi. C'est nul. C'est quoi ici? Oh! Casino? Mais il y a que des casinos ici! C'est où que je suis censé faire les courses là pour la fête? Y aurait-il d'autres pièces et le corps de Shakespeare? Une pièce et le corps de Shakespeare? Oh la classe! Alors par contre. Wait, what? C'est quoi ça? Ah oui, bref. Bah ouais, mais comment dire? Bon, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Tiens-moi, petit. Et merde! Qu'est-ce qu'il fout? Zaïd? Par ici, Shepard. Ce truc est vraiment une sale arnaque. Qu'est-ce que vous faites? Il y avait un gamin, là. Il perdait ses crédits et il pleurnichait. Et vous avez décidé de l'aider? Il m'a demandé. Ça m'avait l'air simple. Et où est le gosse? Pas mon problème. Vous auriez pas des crédits, Shepard? Franchement, on pourrait pas trouver mieux à faire. Quoi de plus important pour Zaïd Massani que de pas se laisser battre par un jeu pour enfants? C'est pas faux. Ces petites peluches vous font vraiment envie. Je vous le fais pas dire. Bon, d'accord. Tenez, les crédits. D'accord, mais les chasseurs de primes ne sont pas exemptés de politesse. Il va le dire? S'il vous plaît. Ah, il l'a dit, wouhou!